De nouvelles manifestations, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans les villes d'Espagne. Pour la quatrième nuit consécutive, des violences ont éclaté devant le siège du Parti socialiste espagnol à Madrid pour contester l'accord entre le PS et les séparatistes catalans de Junts. L'accord prévoit l'amnistie des personnes poursuivies pour la tentative de séparation de la Catalogne de l'Espagne en 2017. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. Estamos hablando de ceder un chantaje. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Les dirigeants du Parti Populaire Conservateur et du Parti d'extrême droite Vox utilisent donc les mots les plus forts pour condamner les socialistes. Les nationalistes basques du PNV ont aussi, comme attendu, donné leur accord ce vendredi à la reconduction au pouvoir du Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, désormais assuré de disposer de la majorité absolue au Parlement.